Salut les amis. Salut. Là, on va commencer une journée plein soleil. En fait, nous sommes au monde sauvage des Wai. Vous connaissez? Attends, c'est comment encore? Dis-moi le nom d'un animal au monde sauvage des Wai. Oui, ok. Non, il ne va pas pleuvoir, vous inquiétez pas. Donc voilà, nous sommes trop tôt, on attend l'ouverture à 10h. On est les premiers. Yes. Oh, les deuxièmes. On va vous montrer peut-être. Comment on appelle ça? Le commencement, ou je sais pas quoi. Mais non, là où on prend les tickets, oh, je sais pas plus. C'est une petite maisonnette safari comme ça. Chouette. Et par là, on devra aller. Maman, oui. Tu crois qu'il y aura des poissons, des araignées, des serpents? Parce que presque dans tous les jours, il y a des serpents, des araignées. Bah, t'es quand même dans poissons. Un style de truc monde sauvage. Donc. Safari. Ah ouais? Non. Mais on n'ira pas voir les araignées. Hein. J'espère qu'ils ne courent pas comme ça. Mais il n'y a pas de poissons dans les mondes sauvages. Pourtant, je crois qu'il y a des phoques et tout ça. Des otaries. Il y a des otaries. En tout cas, ça a l'air immense. Il fait beau. Donc voilà quoi. Et ils ont même dit qu'il y avait un show de Otari. Oh, oh, oh. Un petit bonjour au bloc. Tu viens t'abonner? Ok, d'accord. Non. Et toi le petit? Viens le petit, viens t'abonner. Oh God. Oh. Il est riche. Gentil? Oui. Toi aussi? Tous les petits? Oui. Ah non, ça c'est mon appareil. Ah, salut. Salut. Tout plein, tout. Mais. C'est toi et elle tout ça, chez moi, bye bye, hein, au revoir. On voit le tigre. Oui. Il fait comme Sony, il se lèche les. Voilà. Et alors, on... voilà. J'espère que vous le voyez. On va voir les pumas. À chaque fois que je finis, ça en vaut. Ici, on retrouve les lynx. Le voilà. Il n'y a que lui? Si je ne me trompe pas, il y en a un dans le fond qui dort. Regardez, je touche un crocodile. Dompteuse de crocodile, c'est moi. Et dis quelque chose. Il y a Mélissa qui vient de sursauter. J'ai trouvé mon nounours, mon doudou. Regardez.
Pas ta main parce que c'est Nounours. Nounours, il fait dodo. Ça, oh, redonne mon nuit. Nounours. C'est un petit nounours. Bah, je veux lui comme nounours, à la maison. Je t'ai dit plus de. Mais je t'ai pas dit qu'on achetait plus de peluche. Si, mais c'est pas une peluche, ça, c'est un vrai nounours. Ah bah, c'est encore pire. Tu veux le mettre où? S'il te plaît. Il va être calme dans le jardin. Dans le jardin, le Et puis, il va s'enfuir chez les voisins. Voilà. Et après, voilà, donc, les voisins. Ah, mais c'est quoi ça? Un ours. Mais Lisa, t'as laissé ta peluche dans le chemin. Désolée, maman. Ma fille qui continue à dire des bêtises. Est-ce qu'on va voir les girafes? Ah, je les vois de loin. Et alors, elle croit que la girafe va avaler la GoPro. On verra son estomac. Là-bas sont les girafes. Ne t'enfuis pas. Mais oui, ne t'enfuis pas. Reviens. D'accord. Elle s'appelle Autruchette. Autruchette. Oui, c'est vrai. Salut. Oh, maman, regarde. Bah, tu la prends. Voilà, là, on va monter. Non. Pour être à la hauteur des girafes. Voilà. On monte les escaliers pour arriver à la hauteur des girafes. Voilà. Mais tu vas où? Oh, c'est beau. Puis toucher la girafe et pas moi. Pour grandir. Pourquoi? Ou bien parler de la girafe. Mais je sais même pas comment une girafe sait parler. Est-ce que ça fait ou ça fait. Mais qu'est-ce qui s'en fait une girafe? Ah, rien. Il faut le dire. Hein. Mais je sais pas, moi je connais pas le les langage. Les girafes ont... Voilà. T'as pas fait. Alors ici on peut retrouver l'île de la famille de Mélissa. L'île des singes. Regardez, attendez. T'as pas l'air bête, hein? Mais ils dorment. Elle est où ta voile? Elle est là. Ah. Ben, je vais pas monter. Et tu vas où? Je vais en Amérique. Avec ce petit bateau? Oui. Si tu le dis. Là, on arrive chez les Indiens. Évidemment, sinon pourquoi il y aura un loup blanc? Qu'est-ce que ça va voir? Oh, là-bas, il y a des pandas rouges. On va aller visiter un tipi. On va d'abord voir les pandas non, rouges. Non, on va d'abord visiter le tipi. Panda rouge. D'abord, on va visiter le tipi. Viens. Panda rouge. Moi, ça... Moi, je suis déjà été dans un tipi. Voilà comment vivent les Indiens. Tu peux essayer. Tu vas faire un feu? Feu.
Fais la danse du totem. Aïe 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 aïe. Ça va, c'est bon. T'es débile, toi. Il y a juste le haut qui n'est pas mouillé parce qu'il n'a pas été dehors dans l'eau. Et désormais, les enfants qui veulent faire un petit bisou à Leïla, vous allez tout doucement pouvoir l'approcher. Et par contre, les enfants, je vous demanderai de ne pas la toucher avec les mains, s'il vous plaît. Allez, vas-y, Leïla. Allez, la migraine. Ah, que ce soit, que ce soit. Je l'ai sauvée. Parce que Mélissa se faisait manger par la crocodile, regardez. J'ai sauvé la caméra. Alors voilà, notre journée se termine. Il a fait très chaud, on a vu des jolis animaux. On a fait une jolie photo. C'est quoi? Il y en a un qui s'en est enfui. C'est quoi? Et on a ramené un nouveau copain. Yes, super. C'est qui? Je sais pas. Comment il s'appelle? Dis coucou les amis. Coucou les amis. Coucou. Voilà, Mélissa est quand même repartie avec un cadeau, elle est contente. Hein. Ça passe. Alors on vous dit une bonne fin de journée. Et on vous dit à la prochaine vidéo. Whisper. À la prochaine vidéo. Entre temps, pouce bleu et abonnez-vous. C'est gratuit, ça coûte rien. Salut. You should grow feathers and see this too. When you want